Hey, salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endless Space 2 Awakening, la voie des étoiles. Alors, au dernier épisode, nous avions réussi à conquérir le système d'Ekius, dans lequel nous avons des petits malus pour l'instant. Et on a vu qu'une flotte, ici, de représailles, on va dire, arrive. Donc, on a bien sûr la flotte là qui a une protection, qui va attaquer de façon assez importante. Mais on a déjà notre flotte qui potentiellement, on voit qu'on attaque, on a 3358, défense 2783. Et en face, on a une flotte moins importante. Donc ça m'a donné envie d'aller jeter un œil aux conditions de victoire. Et on voit qu'en suprématie, donc, ben là pour l'instant on n'a pas le système d'origine, donc ce n'est pas la suprématie qu'il faut regarder. Nous sommes quatrième en conquête, donc on n'est pas terrible en économie. Oh, en économie on est bien remonté, on était sixième et on est repassé troisième. Par contre au score on est redescendu quatrième, mais avec ces victoires peut-être que ça va aller mieux. En tout cas, j'ai bien envie de pousser un peu. D'accord. Voilà, donc on continue, on va passer au tour suivant. Fil de construction vide Adana. Ah. Alors avant de passer au tour suivant, on va aller voir ce qu'on peut faire. Croûte brisée. Ah, l'impact ici est pas terrible, je crois. Plus 2 de brume. Moins 1 d'industrie. Moins 2 d'approbation. On va sectionner une action. Toc, pendant 3 tours. Et ensuite, ici, on a un peu d'industrie. On a pas mal de science. J'avais dit que je voulais la science jusqu'au bout dans ce système, mais on va peut-être pas le faire du coup. On verra ça dans 3 tours. Victime d'une coupure. Victime d'une coupure, qu'est-ce que c'est? Tour restant 1. Ah, d'accord. Je pense que c'est les conséquences de ça, là, du piratage qui avait été détecté. Et de la pression qu'on a eue d'un seul coup. Donc, on va passer au tour suivant, et là, normalement, ça devrait se valider, ou alors, c'est que j'ai mal compris, et voilà, ça s'est validé. On a un nouveau héros, normalement, donc lui, il est primitif chercheur, militariste, ok. Ben, on va aller jeter un œil sur cette personne-là. Quête solo accompli. Wow, génial. Nouvel objectif affecté au système Ekius. Ah, quand même, il faut qu'on le fasse monter au niveau 7 et qu'on l'affecte à Ekius. Alors, ce que je pense, c'est que on va l'affecter à Ekius. D'abord, ce système là est quand même pas mal en industrie Zinus. Bunker renforcé. On pourrait faire ça. Zinus, c'est où déjà? Ah non, c'est notre chantier. Ouais, c'est pas... Programme de travail à la chaîne. Convertit une population en 300. Ouais. On va peut-être plutôt se concentrer sur les vaisseaux. Attention à l'entretien, mais on est quand même pas mal. On a beaucoup de brume.
Je pense qu'on pourrait commencer à faire ces fameux croiseurs. Donc ça, c'est plutôt un coordinateur. Ici, un chasseur. Cuirassé. Cuirassé léger. On va en faire deux. Voilà. On va voir ce que ça donne après. Il y a des corvettes. Qui sont des petits vaisseaux. Les escorteurs. Petits. Un vaisseau de colonisation. Ça, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour qu'on ait une nouvelle colonie. On n'a pas de planète de glace à aller te coloniser. Ouh là là, ça arrive. Ça arrive. On va quitter le système pour aller jeter un œil par là. Alors, on a 4 points de compétence. Il est de niveau 5. Alors lui, c'est plus un chercheur. On va l'affecter à un système. Et on va l'affecter au système d'Ecus. Validé. Et on va lui attribuer des compétences. Inspecter, hop, arbre de compétences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur Ecus? Ça va être plutôt de la production, je pense, et un peu comme... Oh, bah oui, c'est un chercheur, donc la logique voudrait qu'on fasse ça. Qu'on lui affecte ça. On va peut-être lui affecter ça. Voilà, comme ça. Là, on développe l'arbre numéro 2. Enfin, le deuxième cran. Et ça serait pas mal. Ouais. Ok. Bon, nos héros sont en forme. Il est bloqué pour l'instant dans ce système-là, mais ça va très bien. Ok, bon. Allez. Si on peut prendre des systèmes via le militaire, excusez-moi, on sera pas mal. Mmh. Il va y avoir de la grosse baston. Hein. Mais si on perd les vaisseaux de l'académie, je suis pas sûr qu'ils vont nous voir d'un très bon œil. Recherche terminée. Yes. Colonisation planétaire de glace. Armement articulé. Ouh, ça fait mal ça. Pare-feu. Ouais. Bon, le piratage m'a... Oh là là, ça c'est bon ça. 8 tours. Par contre, ça c'est 1 tour. On va prendre ça. Recherche rapide à faire.
Oui, il y a encore de la grosse flotte ici qui arrive. On peut pas fusionner hein, parce qu'on est déjà ici. On est à 20 sur 16 déjà. Il n'y a pas de héros à signer, mais bon, c'est pas grave. Ouais. On va mettre en protection du système. Et ici, on va se mettre en protection du système. Il pourrait y avoir des flottes dissimulées. Ouais, bon, je pense pas. Je pense pas pour le moment. On va faire fin de tour. La recherche ici est terminée. Amélioration du système défense. Pour empêcher la reprise, ça serait pas mal qu'on fasse ça. Amélioration du système en influence. Je pense que 9 tours quand même. On va aller faire ça. Her Majesty is always glad to hear from a friend. Cordial. Ils aiment pas trop le peuple de la faille apparemment. Filiale de compagnie. Alors ça y est. Ici à CRS, on a une filiale. Alors ici, c'est complètement débile de l'avoir en industrie. Il faudrait que ça soit plus en économie à la limite. Et je pense que ici, on va pas faire grand chose. Alors, on peut faire de la production, certes, un peu plus en prenant, mais elle consomme de la brume inutilement, je trouve. Je pense qu'on va faire ici. Alors, ouais, non, il faut qu'on en fasse un peu plus quand même. On va en faire un peu plus. Voilà. Pour ensuite pouvoir faire ça. Voilà. C'est quoi ça pour combien ça? 4 tours. Ce système là on va pas trop s'en occuper, on va le laisser comme ça en infini, ça sera parfait. Alors ici Adana, ouais c'était scientifique, on va peut-être quand même faire ça histoire d'améliorer les choses. Ouais, rien de... Enfin, le labo. Sur heureux, hein, de toute façon, ça va fonctionner. Ici, on peut quand même faire ça également. Et on peut faire ça. Produire plus, toujours. Ok. Alors, les déplacements. Est-ce qu'on va se faire intercepter ici? Non, tout va bien. On arrive à filer. Encore une planète unique. Ouh, un système super intéressant ici. Très très bon système. Je pense que si on arrive à les battre, on va se diriger là-dessus.
Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Les alliages renforcés, ça serait pas mal. Chasseur de base. Hey. Économie, commerce, voyons ce que ça donne. Là, ça nous donne quand même pas mal de choses. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Allez, on fait ça. Un croiseur a été construit. Alors, on va voir ce que ça donne, notre croiseur qui a été construit ici. Niveau vétéran, on va le laisser en réserve à Zinus pour l'instant. Bon, alors toi tu peux pas rester là, mais tu vas continuer à découvrir leur empire, voir jusqu'où il s'étend. Parce qu'on n'a pas dû découvrir leur capitale pour le moment. Je ne pense pas. Non, il n'y a pas leur capitale ici. Donc, ils se sont vraiment bien étendus dans le bras de la galaxie. Ils doivent passer par ici. Ok. Ça marche. Allez, tour suivant. Et là, il y a une... Oh, l'académie atteint le niveau 3, les héros commencent à ce niveau lorsqu'ils sont recrutés. Zuben compromis. Bon. Ecus compromis. Je m'y attendais un peu. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eco-habitat. C'est vraiment un système de production... qui est assez sympa ici. Il manque un tas de trucs par contre. Sur Nial, hein. Il y avait un tas de choses qu'on n'avait pas faites ici. Hein. On n'a pas fait grand chose d'ailleurs dans ce système. On va les faire, tiens. On va tout faire ici. On va faire plein de choses, plein de choses. De la science, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, c'est quand même pas si dégueu. En science. Et hop. Et bon, celle-ci, on va la laisser pour l'instant. Voilà. Allez, on continue. Vous avez découvert la planète avant-garde foyer de l'Empire. Donc ça y est, on l'a découvert, leur planète d'origine, ils sont là. Et là, ouh, ça rigole pas. Là, il y a de quoi faire. Ils ont une belle flotte. Avec l'académie, on peut peut-être arriver à les... si on va par là, on va se faire détruire. On va plutôt essayer de les contourner, enfin de faire autrement. Tant pis, on n'ira pas explorer par ici, mais... Donc on a découvert leur planète d'origine, et maintenant il va falloir qu'on y aille. On va se déplacer avec l'académie. Ici, on va déployer. Il y avait un truc là qui nous permettait de nous protéger. C'était quoi ça? On va la faire remonter bien comme il faut. Hop, juste après la logistique prédictive.
Je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ici? On peut envahir. On peut envahir. Hop là. Alors, on va pas regarder cette fois-ci, on va faire combat. Victoire décisive, boum. On va occuper le système. Du coup ici, plutôt aller là. Essayer de récupérer ce système là. Ça va être dans assez longtemps, mais... Faut voir. Ouais. Non mais c'est juste énorme. Ok. En termes de vaisseaux spatiaux, c'est énorme. Donc ici, c'est pas mal. On pourrait directement coloniser celle-ci. On n'a pas de population, mais ça va venir. Alors là, par contre, il y a tout à faire. Ferme durable peut-être avant. Genre ça, comme ça. Il y a tout à faire, mais ça va être sympa. Et on lance la colonisation après. Donc il y en a quand même pour un sacré bout de temps. Le réseau de drones, on devrait peut-être le faire en premier. 8 tours. Ah ouais, quand même. Après, on vient juste de prendre le système. On a aussi des pénalités, je suppose. Des petites choses comme ça. Vous allez aller, j'ai bien envie de poursuivre moi, de poursuivre ok sur plusieurs fronts. Avec cette flotte de l'académie, c'est vraiment c'est vraiment super puissant. Du coup, avec ce qu'on vient de faire, alors forcément les autres ils vont pas trop nous aimer, mais est-ce qu'on remonte un peu? Deuxième au score. Ok, deuxième en économie, et on est pas mal, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Faut dire que avoir pris le contrôle de la flotte de l'académie, c'est quand même un bon plan. Non, mais on s'en fiche du piratage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Aucune spécialisation sur cette planète. On va la spécialiser en économie, je pense. Hop. Ben on va continuer de faire nos... Voilà, la... Ouais, les échos, est-ce que c'est bon? Ah oui, ça produit pas mal de nourriture. On va faire ici également. Les labos, on a quand même pas mal de science, ouais, ça serait bien. On va même faire ça après la nourriture. Voilà. Labo de recherche en optique. Ouais, on est extatique, alors allons-y. Hein. C'est pas mal déjà. On a quand même bien boosté les choses.
Allez, de la population en plus. Ici, vous avez pris le contrôle de la constellation. Hey! Le contrôle de la constellation. Les sauffons qui sont là aussi. C'est assez drôle. Ils se sont approchés de l'académie. De se coller dessus. On a pris le contrôle de la constellation. Oui, d'accord. Si vous le dites. Parce qu'on contrôle ça, peut-être. Je sais pas. Oh, on a croisé une flotte. Alors ça, c'est pas cool. On a croisé une grosse flotte. Ici, voyons voir la flotte. On n'a pas assez de... Ouais, on n'a pas assez de visuel. J'ai envie de retourner en arrière avec ce vaisseau. Et voilà, bon, alors on a croisé une grosse flotte pendant le trajet là, qui se dirige vers Birtus. Donc en fait, il va falloir qu'on aille ici pour défendre ce système, avec notre flotte actuelle, en espérant que ça passe. Voilà, et vous saurez dans le prochain épisode si ça passe, parce que c'est déjà la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. Un petit mot quand même. Je vais partir quelques jours. Oula! Il y a une flotte ennemie. Exploration petit, ouais. Bon, c'est un vaisseau d'exploration, c'est pas très grave. Donc je vais partir en petit congé quelques jours, donc il n'y aura pas d'épisode probablement la semaine prochaine, à moins que j'ai le temps d'en tourner peut-être un ce week-end, mais j'en doute, donc je pense qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Je vais plutôt laisser un petit temps de repos, donc vous aurez tout le temps de répondre, de faire vos commentaires en revisionnant les vidéos pour guider et tout ça. Vous aurez tout le temps pour le faire dans quelques jours, et puis on reviendra par la suite avec la suite et la fin de cette guerre, en espérant que tout se passe pour le mieux et qu'on arrive à annihiler complètement le peuple de la faille. Ce serait vraiment intéressant, surtout récupérer leur gros système là. Celui-ci m'intéresse beaucoup beaucoup beaucoup. Il y a quand même beaucoup de ressources dans ces systèmes à récupérer. Regardez ça. Il y a du Cadrenix, il y a tout un tas de choses sympas, donc ce serait vraiment bien qu'on arrive à la récupérer. Ici on a de l'antimatière, c'est déjà pas mal. Sauf qu'on l'exploite pas encore, il va falloir qu'on aille chercher la technologie pour pouvoir l'exploiter. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à faire dans les prochains épisodes, j'espère que cela vous plaît, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous! Thank you.